le Sony Alpha 7 II avec son objectif 24-70 de Carl Zeiss avec une ouverture f4. Donc comment faire pour passer du mode automatique vers le mode manuel? Très simple à faire. Déjà, comment fonctionne le mode automatique? On se rappelle que la visée est assez simple. Si vous avez besoin de faire une vision sur l'écran Live View, n'oubliez pas d'appuyer sur Display, parce qu'il peut afficher et désafficher de certains menus. Donc, en revenant sur Display, on voit sur l'écran certains petits onglets supplémentaires, et j'appuie encore sur Display autant que je veux. Donc, à la lecture de ma photo, c'est la même chose. J'appuie sur le bouton lecture et je peux afficher sur les photos l'ensemble des paramètres grâce au bouton Display. Quand j'appuie, il affiche et désaffiche certains réglages. Voilà déjà en mode automatique ce qui est possible de faire, d'autant plus que pour prendre des clichés, rien de compliqué, on appuie sur le déclencheur au-dessus et on verra sur l'écran des collimateurs. Les boutons appuyés font apparaître les collimateurs. Ensuite, quand on veut changer le mode automatique, on appuie sur fonction. Les boutons fonction font apparaître les rapides menus en bas. Et je fais attention, il est possible de changer le bouton fonction automatique. Il y a deux modes, intelligent et intelligent plus. Donc je conseille pour ceux qui ont l'habitude de faire des photos standards en pleine lumière, intelligent. Et si besoin, pour des photos en basse lumière, intelligent plus. Donc aujourd'hui, on est en lumière forte. Intelligent suffira pour faire nos photos. Pour passer en mode manuel, rien de compliqué. Donc une fois appuyé sur le bouton molette ici, priorité manuel, on va pouvoir changer les trois réglages. Je rappelle que il y a une molette à l'avant qui va utiliser ici sous le pouce le changement de la vitesse et qui va assombrir votre photo. Je peux ici appuyer sur l'avant ici, sur l'épaule droite de l'appareil, on fait le changement des diaph et donc ce changement s'effectue ici. Et l'ISO, c'est très facile, aucun problème. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire apparaître le choix des ISO. Donc, pour ce qui est de la manipulation, très simple. Maintenant, il faut bien saisir une chose, c'est que si on veut passer en mode P, là, sur le bouton en haut, on va changer pour tout simplement passer en mode paysage. En fait, plus simplement, le mode programmé, ils appellent ça. L'idée est simple, c'est que vous choisissez vos ISO vous-même en premier lieu. Vous choisissez intelligemment les ISO. Si par exemple il vous manque un peu de lumière, on met un peu plus d'ISO. Et après, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de changer le correcteur d'exposition IL. Et grâce à l'écran arrière, on voit très rapidement qu'on peut illuminer la photo ou pas. Donc si j'aperçois que la photo est trop sombre, je tourne la molette et j'éclaircis l'image. Là, on est donc à plus 2,7 IL, et si c'est trop fort, je régule. Il va avoir la chance de vous aider en prenant les deux chiffres pour lui, et même si vous changez les ISO, il va essayer de faire attention à respecter votre choix et de garder la lumière ici. C'est votre référence et ce sera aussi la sienne. Donc en simplement changeant le plus et moins, il va faire la régulation des deux chiffres pour vous. Vous n'avez droit qu'aux ISO et au plus et moins. Là, en faisant le cliché, c'est assez simple de viser. Si vous avez besoin de faire une visée beaucoup plus précise, il vous faudra appuyer sur C2, qui est un petit bouton ici déjà avec une fonction. Le C2 fait apparaître un cibleur, mais il vous faut le sélectionner déjà en tournicotant un petit peu la molette ici, le joystick qu'on appelle, et vous pourrez ainsi choisir le cibleur approprié. Si j'ai envie d'avoir un gros cibleur large au centre de ma photo, je peux l'appuyer donc C2, et je vais prendre soin de décaler un rectangle orange qui va se situer sur la photo et de le positionner avec le joystick. Donc d'abord appuyer sur C2, ensuite de sélectionner
le cibleur et de le positionner au bon endroit pour ensuite l'utiliser avec le déclencheur à mi-course en direct. Donc, le choix du cibleur étant fait, je peux aussi lui demander de faire ce qu'on appelle un autofocus pour des portraits simples ou des paysages simples. J'appuie sur le bouton fonction, FN, et je vais vérifier que je suis bien en bouton d'autofocus simple, AFS, c'est le cas. Le principe est simple, c'est que la mise au point se fera sur le sujet en une fois. Il attend que vous appuyez sur le déclencheur, et si vous bougez ou vous décalez d'un centimètre, il attend que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire sa mise au point. Donc faites attention, le AFS n'est bon que pour les paysages en ayant appuyé une fois. Si vous avez quelqu'un qui bouge, il vous faudrait peut-être faire du sport, il faudra changer l'AFS en AFC. Une fois qu'il s'est fait, vous avez le moyen d'avoir un cibleur beaucoup plus précis. Et d'autant plus, en fonction de l'endroit où vous passerez votre main, il essaiera de rectifier le tir régulièrement. Il va faire une mise au point beaucoup plus précise. D'autant plus que je peux lui demander d'utiliser un cibleur très 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 précis. Je vais l'utiliser grâce à la molette ici. Je vais choisir donc un verrouillage. Voilà. Un verrouillage AF par zone. L'avantage, c'est que lorsque j'appuie sur le déclencheur en AFC avec une détection de zone, il y a comme un petit rectangle qui va opérer à la détection de votre sujet. Et donc cela ne fonctionne qu'en AFC avec un ciblage par zone. Globalement, si vous avez besoin de faire des photos en couleur, c'est une chose, mais vous pourriez peut-être aussi avoir besoin de changer en noir et blanc. Il vous faut appuyer sur fonction, descendre sur le réglage standard des Picture Effects, ils appellent ça le mode créatif, et il vous faudra descendre en direction du petit onglet Black and White, BW. Une fois que c'est fait, votre photo est capable d'être organisé avec du contraste un peu fort. C'est à vous de choisir, vous pouvez réduire le contraste et aussi la netteté. Donc une fois que c'est fait, votre photo, elle sera réalisée complètement en noir et blanc avec les propriétés de l'autofocus comme vous vouliez. Dernière chose, si vous avez besoin de changer le fichier RAW, il vous faudra aller dans les menus ici, menu, sur l'onglet numéro 1 de l'appareil photo et dans la page numéro 1, qualité, fichier RAW. Donc qualité, j'appuie sur RAW et je choisis RAW. Donc si vous préférez le JPEG, tout va bien, mais si c'est le fichier RAW, vous pourrez donc modifier la balance des blancs ou revenir sur des images en couleur une fois arrivé sur l'ordinateur. Le fichier RAW est très intéressant pour ceux qui aiment retoucher la photo. Voilà globalement pour aujourd'hui.